Les petits loustiques, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien démarré, a bien débuté. Moi, je viens de rentrer du sport. Je vais jouer un peu avec mon petit roro, après je dois aller travailler. J'ai besoin d'un service. Alors, je sais même pas si quelqu'un va pouvoir m'aider, ne serait-ce qu'une seule personne, mais je vais essayer, souhaitons jamais. Je cherche un contact à la mairie de Gignac. Gignac-la-Nerthe, je sais pas comment on prononce, mais en tout cas à la mairie de Gignac. Plus précisément, j'ai encore plus de chance, c'est à l'urbanisme, qui travaille à l'urbanisme, mais au moins un contact à la mairie de Gignac ou quelqu'un qui travaille là-bas. Je vais regarder tous mes MP fin de journée, donc si vous avez ça, ça serait incroyable et je ne saurais même pas comment vous remercier. En tout cas, je vous embrasse, à tout à l'heure et ouais, ça me sauverait vraiment la vie, ça me ferait gagner un temps monstre. Allez, bisous, à tout à l'heure. Et lui, c'est pas le plus heureux, lui? Ah, mon bébé, allez, va. Allez, petit loustique. Alors, bizarrement, cette personne est assez remontée. Je pense qu'elle a passé un mauvais début de semaine. Ce matin, elle a voulu mettre de l'essence à la pompe. Et il y avait 200 personnes et elle a mis une heure et demie. Mais sérieusement, je vais m'adresser à vous. Je vais vous mettre son message juste là qui va apparaître. Si vous pouviez avoir un coup de pouce sur un projet et gagner un peu de temps, est-ce que vous le refuseriez? C'est la question que je vous pose parce que j'ai besoin de faire avancer un dossier et si quelqu'un connaît quelqu'un et que ça peut aller un peu plus vite, donc ouais, j'ai envie d'en profiter, ouais. Mais je pense que personne ne refuserait ce petit coup de pouce. Mais bon, et en même temps, alors petite chose, que tout le monde m'envoie le numéro de la mairie de Gignac. Moi aussi je l'ai, c'est pas ça que je veux. C'est quelqu'un qui travaille à la mairie et qui pourrait m'aider. C'est tout ce que je veux parce que le numéro, je peux le trouver, mais c'est déjà très gentil de votre part. Allez, à tout à l'heure. Bon, les petits loulous, petit bilan en fin de journée. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé le Facebook du neveu, de la cousine à la belle-sœur au maire de Gignac. C'est sympa, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, il y en a qui m'ont fait avancer. Donc, merci à vous et merci de vous être donné du mal déjà pour moi, pour ma petite personne. Et en tout cas, tout le monde a compris. Ouais, tout le monde veut un coup de pouce dans la vie. Si on peut en avoir un, eh ben, on essaye d'en avoir un. Et les autres, eh ben, désolé pour ceux qui sont pas contents, si je peux faire avancer un projet un peu plus vite que prévu, parce que c'est juste que c'est long, les choses, des fois, dans les mairies, dans l'urbanisme, surtout dans ce domaine. Donc, voilà. En tout cas, la majorité, 99% des gens ont compris, et n'importe qui veut se faire aider dans la vie, s'il peut avoir un petit coup de pouce, eh ben, il va saisir l'opportunité, et ceux qui comprennent pas, ma foi, tant pis pour eux. Bon, en lisant MP, j'ai eu aussi 2-3 petits retours sur Jaffi. Vous vouliez savoir si mon code de marché est toujours. Oui, il est actif et il vous donne droit à moins 50% sur votre première commande. En plus de ça, avec un petit cadeau ici qui sera offert. Ça va être des petites lamelles de viande et l'huile de saumon. Ça, qui est très important pour le poil de votre chien ou de votre chat. C'est à l'oméga 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tu mets ça sur les croquettes et c'est génial et ça leur fait un beau poil. Oh mon bébé, j'allais dire t'es en pleine forme. Non, là pas trop. On a bien couru, on s'est bien dépensé aujourd'hui. Donc voilà, vous recevez. En fait, Jaffi, c'est un système de livraison de croquettes à domicile. Donc vous en manquez jamais. Vous en recevez tous les 15 jours. C'est des sachets de 15 jours avec en cadeau aussi les petits verres doseurs qui vont vous dire combien de grammes exactement donner à votre chien en fonction de sa taille, son âge et son poids. La vérité, moi, le meilleur truc que je préfère pour les chiens, c'est ça. Bon, il y en a plus. C'est voir mon chien sous CBD. Du moins, je vois pas vraiment d'effet. Je vais pas dire qu'il est def. C'est pas possible. Il peut pas être défoncé. C'est micro-dosé. Mais je vois qu'il fait un peu moins de bêtises. Et il touche plus au basket qu'il y a là-bas quand je suis pas là. Parce que quand je pars, généralement, il joue avec 2-3 petites baskets à moi. Et ça, je trouve que c'est un vrai relaxant et qui marche. Bon, la preuve, j'en ai plus d'ailleurs. Je vais en recommander. Et il y a aussi pour chat. Et pour chat, voilà, vous recevez pareil, petites croquettes, des petits émincés en cadeau. Et il y a aussi des petits jouets, mais des jouets, il n'y en a plus parce que Roro s'est amusé à tous les démonter. Ça tient pas longtemps chez moi, les jouets. Et pour vous dire, moi, ça fait 3 ans que j'utilise ça. Et c'est parce que c'est des ingrédients que naturels, sans gluten, sans sucre ajouté. Et il y a surtout un taux élevé en protéines. Et moi, c'est ce qui m'intéressait pour que mon Roro soit bien musclé. Je vous remets mon offre.